Bonjour mes amis, on est de retour pour le pronostic de Kinti de Yamna, mes amis. On est de retour pour le pronostic de 16 mai 2022, mes amis. Alors, on commence mes amis, on va faire ce pronostic. Après, on va faire l'arrivée de pronostic de dimanche. Voilà mes amis, alors lundi 16 mai... Ça court à Vichy, mes amis. La course à Vichy demain. Vichy, ça fait chier. Vichy, ça fait chier. Alors, faites gaffe. Hein. Alors, Réunion 1, course 4. La course, ça court à 13h45. En direct sur Ikidia, mes amis. Alors, je vais choisir un ticket de 8 chevaux, comme d'habitude, plus un cheval. Regret en cas de non-partant, mes amis. Voilà, mes amis, voilà, mes amis. Alors, j'ai souvent, d'habitude, j'ai fait un petit 6 dimanche, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Hein. J'ai décidé de vous faire le pronostic un peu d'avance. Voilà, mes amis, alors on commence déjà. En très bonne collection de Kinti de 16 mai. Alors, on commence. Mon premier pour moi, c'est numéro 11. Numéro 11 avec... Attends, mes amis. Numéro 11 avec Barrier. Barrier, j'adore ce cheval, ce jockey et son cheval aussi. Alors, Barrier, je l'amène le premier. Normalement, je devrais ramener Bazer, mais Bazer, je ne le vois pas d'aller gagner. Il n'est pas arrivé deuxième ou troisième. Il y a beaucoup de monde qui vient les jouer gagnant. Voilà, mais le méthode de Bazer, je crois que c'est dépassé. Hein? Voilà, mes amis. Alors, numéro 11 avec Barrier. Son entraîneur, c'est le blanc de ce cheval. Ce cheval, cette année, il avait combien de courses? Il avait 8 courses. Il a fait 2e, disqualifié, 3e, 5e, 11e, 8e. Et toute sa dernière course, il a fait 5e. Avec Barrier, mes amis. Mon deuxième numéro, je peux choisir le numéro 15. Numéro 15 avec Gélermini. Numéro 15 avec Gélermini, c'est un cheval de A à Brévard. Non, c'est elle à Brévard. Celui-là, elle à Brévard qui est son entraîneur de ce cheval. C'est Gélermini qui l'a monté. Pas de raison qu'elle ne fait pas rentrer. C'est dans le groupe des copains. Elle va rentrer ce cheval. Alors, numéro 15, il a la cote de 8. Il va être à 10 demain. Alors, ce cheval, il avait cette année 6 courses. Il a fait 7e, 6e, disqualifié, 7e. Toute sa dernière course, il a fait 4e. Voilà, mes amis. Numéro 15. Mon troisième numéro, c'est numéro 13, avec le champion de France. Champion même de monde. Hein. Avec Bazer, mes amis. Avec Michel Bazer, c'est une championne, mais elle a trop gagné. Elle avait 6 courses cette année. Elle a fait 4e, 1e, 2e, 3e, 2e et 1e. Alors, moi, j'ai les deux. Tu peux gagner, mais c'est vraiment, elle a trop gagné et peut laisser la place à les autres. Voilà mes amis, c'est mon troisième numéro 13. En tout cas, toute la France va les jouer, tout le monde va les jouer sur 13 d'avant. Peut-être il rentre deuxième ou quatrième ou cinquième. Voilà mes amis, c'est 3. Déjà, on tient un bon couplet ou un bon 2 sur 4. Le 11, le 15 et le 13. Après mes amis, mon quatrième cheval, c'est numéro 1. Numéro 1 avec Corbin. Avec Corbin, c'est lui son driver, c'est lui son entraîneur et c'est lui son jockey. Il y a 3 choses de ce cheval. 5 choses de ce cheval. Première, il a l'entraîneur, jockey et driver. C'est le même. Cheval, il le connaît par cœur. Troisième astuce, c'est un très bon cheval, il est régulier.
Oui, quatrième astuce. C'est un cheval régulier. Et déjà, il a quatre choses. Driver, entraîneur, jockey et régulière. Quatre choses sur cinq. C'est très, très, très bon. Numéro un. C'est mon quatrième numéro. Là, déjà, on obtient bien un bon tiercé ou un bon couplet gagné, un placé, un bon 2 sur 4 entre 3 et 4 fois. Voilà, mes amis. Le 11, le 15, le 13 et le As. Mon cinquième numéro, mes amis, c'est numéro 9. Numéro 9 avec Dieu donne. Avec Dieu donne. Didon, c'est un cheval de Dubois. Dubois, il a de très très bons chevaux. Dubois, l'entraîneur et le driver et le propriétaire. C'est les Dubois. Alors, ce cheval, et cette année, il avait 6 courses. Il a fait 13e, 14e. Après, il a fait 3e, 1er, disqualifié et 11e. Mais pas reprendre parce qu'il a fait 14e juste derrière, il a fait 3e. Juste derrière, 3e, il a fait gagner. Là, il va reprendre juste après le 11e. Les jeunes ne viennent pas les jouer, mais il va rentrer mon avis. Numéro 9. En plus, les Dubois, il a des très très bons chevaux. C'est mon cinquième numéro. Mon sixième numéro, c'est numéro 14. Numéro 14 avec Brossard. Alors, celui-là aussi, je l'amène très loin. Je ne devrais pas. Je devrais amener dans les trois, dans les quatre premiers. Alors, Brossard. C'est lui jockey, Brossard, c'est lui drivor, Brossard, c'est lui le propriétaire. Alors lui et le numéro 1, c'est la même chose. 14 et 1, il faut le ramener même dans la base. Et ce cheval, il a fait 6 courses cette année, il a fait 6e, 7e, 13e, 10e, 6e, 8e, toute sa dernière course, il a fait gagner. Alors déjà le 11, le 15, le 13, le As, le 6, le As, le 14, c'est une très très bonne base. Vous jouez quoi avec cette base et vous ajoutez les autres derrière, vous allez gagner sur une sortie. Mon septième numéro, mes amis, c'est un outsider, un très grand outsider. C'est numéro 16. Numéro 16. Avec Richard. Et Richard, là, il rentre toujours avec le grand cote. Richard, son cheval, il n'est pas terrible cette année, mais l'année dernière, elle avait des très bons résultats. L'année dernière, elle avait 5 courses. Il a fait 2e, 7e, 2e, encore 2e, il a fait 4e. Cette année, il avait 3 courses. Il a fait 11e, 6e, 16e. Mais il va reprendre. Avec Richard, à mon avis, il va rentrer 5 ou 6e ou 4e. Numéro 16. Il va y avoir une cote de 30. Alors, mon huitième numéro, mes amis, c'est numéro 7. Numéro 7. Ouais. Mon huitième cheval, numéro 7. L'année dernière, elle avait 4 courses. Elle a fait première course disqualifiée, deuxième, elle a fait gagner. Troisième, elle a fait deuxième. Quatrième place, elle a fait gagner. Après, la refait disqualifiée. Tout ça, c'est cette année. Juste après disqualification, il a fait quatrième. S'il ne fait pas la faute, il arrive toujours dans les trois premiers. En espérant que cette fois, il ne fait pas la faute. Et juste derrière, il a disqualifié 2 fois. Mais il n'est pas offert gagnant parce que juste là, il a vite disqualifié. Juste après disqualification, il a fait première. Encore là, il a redisqualifié. Juste après disqualification, le genou l'a oublié. Il a refait quatrième. Là, il a fait 2 disqualifications. Il n'est pas arrivé cinquième ou sixième. Aussi, je donne la quatrième place ou cinquième place. S'il n'a pas fait la faute, ce cheval. Numéro 7. C'est pour ça que j'ai amené mon huitième cheval. Mon regret, mes amis, le cheval regret, c'est numéro 3. Numéro 3, c'est mon regret. L'année dernière, elle avait 4 courses. Elle a fait première disqualifiée, sixième disqualifiée, juste derrière, elle a fait deuxième. Cette année, elle avait 4 courses. Elle a fait disqualifié, disqualifié. Après, elle a fait 8e, après, elle a fait 9e. Mais elle peut reprendre. En plus, là, elle avait un meilleur jockey. C'est Emma Brevard. Il est aussi gérer. Et son driver propriétaire, c'est Henri.
André, il a des très bons chevaux aussi. Il a aussi bien entraîné les chevaux. Et comme il a donné à Emma Brevard, c'est pas pour rien. Moi, il fera 5e place ou 6e aussi. Voilà, mes amis. Alors, on a fait tour des pronostics à plein air. Voilà, mes amis. On recommence. On va répéter mon ticket en mon collection de 8 chevaux. Le 15, non, le 11, le 15, le 13, le 1, le 9, le 14, le 16 et le 7. Mon regret, c'est numéro 3, mes amis. Celui-là qui va faire un cheval en cas de non-partant. Celui-là qui a pris les 3 de base, par exemple, 11. 15, 13, effet de croix, et rajoute les autres derrière, le ticket, ça lui coûte 10 euros. Alors, par exemple, vous faites 11, 15, le As, vous faites de croix, vous ajoutez les autres derrière, ça vous coûte 10 euros. Alors, par exemple, vous faites 11, 15, 14, vous faites de croix, vous ajoutez derrière le As, le 9, le 16, le 7 et le 3, ça vous coûte le ticket 10 euros. Et si vous faites un multi-insat, vous prenez les 4 de base. Le 11, le 15, le 13 et le As. Vous faites 3 croix. Vous ajoutez le 9, le 14, le 16, le 7 et le 3. Ça vous coûte le ticket à 25%, 7,50 €. Et vous allez voir 2-3 fois le multi 7 à 25, comme si vous jouez à plein de tarifs, vous avez plus la chance de toucher. Et si vous faites multi 6, par exemple, vous faites 11, 15, vous ajoutez le As au 11, 15, 13. Et vous faites deux croix, vous rajoutez le As, le 9, le 14, le 16, le 7 et le 3. Un 6, ça vous coûte 7,50 € à 25%. Si vous prenez le 11, le 15, le 13, le 14, vous faites deux croix, vous rajoutez le As, le 9, le 16, le 7 et le 6. Le ticket à 25%, ça vous coûte 6 euros. Et si vous avez les deux de base, vous touchez en match et prêt. Si vous avez les trois de base, vous touchez à plein tarif, mes amis. Voilà, si vous prenez un bon 2 sur 4. Et vous prenez les 4 premières ou les 6 premières, vous faites un bon. Ou les 5 premières, vous faites un 2 sur 4. Ou un couplet gagnant placé en match et prêt. Ou à 25%, ça vaut le coup du fois. Voilà, mes amis. Alors, on va faire l'arrivée de quinté d'aujourd'hui, dimanche. En fait, j'en avais tout dans la collection. Ouais, c'est mon regret qu'il arrive troisième. Sinon, on aura le quinté dans le désordre. Mes amis, c'est celui-là qui ramène mon regret. Et aussi, vous faites mes deux de base et vous ajoutez les autres derrière. Et quand j'ai fait le vidéo de la dernière minute aussi, j'en avais 4 fois 2 sur 4 sur les 5 premières. 3 fois 2 sur 4 à 30 ou 40 euros. Et j'avais le couplet gagnant placé qu'elle a fait 36 euros. Voilà, mes amis. Et si vous prenez juste mon regret, mon encadre non partant, vous l'ajoutez sur la dernière minute. En 6 chevaux, vous avez le quinté dans le désordre. Moi, je croyais que ça va payer beaucoup plus. Mais vraiment, il n'a pas beaucoup payé. Même que vous touchez à 25 ou 50%, je vais toucher juste 50 euros. Mais c'est pas grave. Quand ça payera, on va les toucher, mes amis. Quand ça payera, la folie. Je vous souhaite une excellente journée et bonne chance et une très bonne semaine. Avec un bon quinté demain lundi, à mon avis 99%, on va gagner le quinté demain. Et je vais faire tout à l'heure la vidéo de la dernière minute et je vous souhaite une excellente chance et une très bonne semaine, mes amis. Vous n'oubliez pas de liker et abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt, mes amis. Ciao, bonne chance.